Hey, salut les gens, salut tout le monde, c'est Loctetou, comment allez-vous? Écoutez, moi je vais super bien, enfin, je vais super bien et mal à la fois, vous allez voir pourquoi. Je suis sur Call of Duty Modern Warfare 2, et comme je vous avais dit, j'allais faire une vidéo sur les rusts, sur les terminals, sur tous les nuketowns possibles, sur chaque Call of Duty, et je me suis dit, bon, j'ai quand même claqué la nucléaire à chaque fois, au moins le but ultime, c'est au moins sortir un gameplay nucléaire. Et malheureusement, quand j'ai terminé donc ma vidéo sur Call of Duty Modern Warfare 2 pour tout simplement la nucléaire sur tous les Call of Duty qui fonctionnent plutôt assez bien, voici ce qui s'est passé. On m'a restart. Voilà, donc je suis niveau 1 sur Call of Duty Modern Warfare 2. Je pense qu'on a le droit à un petit pray for Loctetou parce que ça me fout un peu les boules, mais bon. Il faudra bien évidemment que je remonte tous les niveaux jusqu'au niveau 70, donc niveau 70, pour que je puisse faire certaines choses, qui sera donc réalisé demain sur Twitch, donc à partir de... Nous sommes donc le samedi 7 mars. Et ben dimanche, je serai en stream en train de remonter tous les niveaux pour reclaquer de la nucléaire, enfin bref, tout ce qui est par rapport à ça, ça me fout un peu le somme étant donné que c'était mon tout premier compte. Faut savoir que c'était mon tout premier compte, donc du coup, voilà, il faut que je recommence absolument tout et on va essayer de, voilà, de rejouer quelques games de Modern Warfare 2 en 2020. D'ailleurs, si tu es nouveau, bah, n'hésite pas de t'abonner. Et surtout, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu. Voilà, je pense que pour ce petit restart, ce dur restart, ça risque d'être un peu compliqué. On va un peu descendre le son du jeu. Et du coup, qu'est-ce que je vais jouer? Donc, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu, si c'est possible. Par contre, pour une première game, c'est un peu hard, non? Ouais, c'est un peu hard de chez hard, là, quand même, messieurs. Du coup, on va quand même essayer de poche. Du coup, il faut que j'essaye de tout redébloquer, hein, évidemment. Mais ça, tout sera, ça sera sur Twitch, évidemment, qu'on fera tout ça. Qu'on fera tout ça, donc je vous invite, au cas où... Bon, que je vous invite, évidemment, à me suivre tous les jours, et que je mettrai, évidemment, dans l'espace des commentaires. Alors, ouais. Par contre, ça fait trop bizarre de jouer une AR sans crush. Oh là 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 là, ça va être horrible, ça va être horrible. Ah, je vous ai dit, ça va... J'ai sué, hein. Ok. Ok. En plus, c'est parti en domination, lorsque de base, j'avais balancé MME, quoi. Donc, quand même, Modern Warfare. Ok. On va pas bouger en attendant, hein. Vous avez pu voir qu'il y a du monde. Mais en fait, j'ai pas de... Mais bouge, l'allié. Mais bouge. Ah, en fait, j'ai pas du tout de strike, ma parole. J'ai rien du tout. Ok, d'accord. Donc là, je joue sans strike. C'est un peu difficile. Du coup, je sais pas comment ça va se passer cette histoire. Oh là là, ça risque d'être dur, ça va être dur. Est-ce qu'on tenterait pas? Ok. Bon, il y a toujours autant de bugs à ce que je vois. Hein. Les serveurs ne sont toujours pas assez stables. Donc, ok, on est sur PlayStation 3, hein, c'est un peu normal. Ah, dommage. Ouais, et en plus, ça devient vraiment le bordel. C'est que le problème sur MW2 à l'heure actuelle, c'est qu'il y a full partie comme ça en fait. Et qu'à n'importe quel moment, tu peux encore te faire restart sans aucune raison valable. Cette poche. Ah, bien joué, bien joué. Et d'ailleurs, il y a toujours le lance-grenade. Toujours ce fameux lance-grenade. Putain, ça devient dur. Ok. Ah,
Ok. On fait ce qu'on peut, hein, les potes. Hein. Je vous dis tout de suite. On n'a pas nos classes habituelles. Je sais pas pourquoi j'allais utiliser mon R1 pour stimulant, là, comme dans Modern Warfare. J'ai trop l'habitude de certains trucs. Et du coup, j'ai vraiment zéro strike en fait. Ça va être relou ça. Ok, ok. Tu veux pas revenir? Oh, on s'en fout. Ok. Et c'est vraiment le zoo, hein. Modern Warfare 2 en 2020, c'est vraiment le zoo. Hein. Ah, dommage. Mais du coup, est-ce qu'on fait au moins une bonne game? Ah, je suis à 23-6. En vrai, c'est pas dégueu. Pour quelqu'un qui a que certaines classes. Je pense que ça aurait été plus intéressant en réalité si je pouvais jouer un peu normalement. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Oh, petite triple. Non, petite double, je voulais la triple. Ok, ils sont tous sur A. Oh, dommage, dommage, dommage. Et on s'est fait dégager au lance-grenade. Ah bah du coup, bah voilà, voilà, vous pouvez voir que justement ça quitte pas mal, surtout que de base hein, quand je balance de la MME, je suis pas censé me retrouver ici, mais, et en plus je peux même pas essayer de débloquer une nucléaire parce que j'ai même pas en fait, j'ai tout simplement pas les, comment ça s'appelle, pas le killstreak quoi pour, j'ai absolument pas de killstreak pour. Par contre, j'ai oublié à quel point le FAMAS dans ce jeu, il fait tellement mal. Grosse one. Okay. Ah ouais, ça rigole pas. Bon, du coup, on termine quoi? Sur un 35-8 première game? Franchement, ça va. C'est large faisable. Et je vois beaucoup de bas level. Je pense également que ces personnes-là ont été restart. Ce qui est fortement embêtant. Mais du coup, voilà. Bonne première game. Intéressante. Pas dégueu, mais on va pouvoir débloquer petit à petit tout ce qu'il faut. Et évidemment, bah, essayer de redébloquer tout ce qui est titre nucléaire. J'ai un tout petit peu le seum, évidemment, du fait que je ne peux plus... voilà, je n'aurai plus vraiment mes vraies stats sur le jeu, qui n'étaient pas des, comment dire, des grosses statistiques, en fait. Hein. C'était mes toutes premières stats, genre j'avais quoi, 1,4 de KD. Et je sais pas, genre ça me fait toujours un peu rappeler, voilà, mes premiers débuts sur Call of Duty Modern Warfare 2. Et du coup, bah voilà, on peut même plus faire, je peux même plus voir ça en fait, et c'est un peu dommage. Je suppose que j'ai toujours pas mon bonus, ok, d'accord, qui se débloque niveau 10, d'accord. À partir de niveau 3, je n'ai toujours pas ça, d'accord, ok, ça explique pas mal de choses. Bon, bah du coup, on va continuer avec le FAMAS, essayer de débloquer au maximum tout ce qu'il faut, mais ouais, effectivement, ça me fout un tout petit peu le seum, genre je suis pas... en mode, non, c'est la fin de ma vie, mais... Je veux dire, quand c'est ton premier compte, tu te fais restart, etc. C'est quand même un peu bizarre. Par contre, on va essayer de voter. Ouais, exactement. Si on pouvait tomber sur un petit wasteland, éventuellement pour... Ah non, invasion. Ah, c'est pas forcément mieux. Est-ce que par hasard, on jouerait pas un peu à l'UMP hein? Tu sais quoi, on va jouer un peu à l'UMP. Juste pour le plaisir.
Bon, du coup, cette fois-ci, c'est une vraie MMO, quoi. Ah ouais, par contre, ouais, je vais tellement vite. Oh, bah, wow, 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 wow. Hé, hey, gros, depuis quand je dois mettre autant de balles avec une UMP-45, là? Wow, c'est trop bizarre. En fait, avec Marathon, j'ai l'impression d'avoir comme si j'avais une crosse, en fait. Ou à moins que ça soit la game qui soit comme ça. C'est possible que la game soit hack. Ça m'étonnerait même pas d'ailleurs. Ok. Dommage, dommage. Par contre, lui il m'a instant kill. Hein. Tu peux juste voir. Ah ouais, toi tu. Oh, ok, d'accord. Et on n'a pas la même UMP, frérot. Tu veux pas me prêter un peu la tienne là? Parce que mettre des grosses ones là, ça m'intéresse vraiment là. Ouh, la petite double. La petite double. On essaye de faire ce qu'on peut en rushant. Ok, série de 5. Ah, dommage. C'était un peu hard. Ah, c'est toujours lui d'ailleurs. Il nous met toujours des bons petits trucs là. Des grosses one du MP quoi. Et en plus, on peut pas aider notre équipe parce que normalement on est censé avoir des strikes, mais bon. T'inquiète pas, je t'ai vu. Bien joué. Non, non, non. T'inquiète pas. Non, non, non. Faut vraiment qu'on pousse un peu plus sur la droite parce que là, on est un peu... Ah, dommage. Oh, on est quand même bien en positif. Enfin, ouais, maintenant on va se taper des arriers. Ça risque d'être un peu hard. Faut juste trouver le mec qui est en série. L'allié, bouge. D'accord, va falloir nous dire quand même comment t'as sorti tous ces strikes, frérot. Ok, bon, du coup, petite double. Ah, mais ça, c'est 130 alliés, en fait. C'est pas ces 130 ennemis. D'accord. Je me demande comment t'as eu un AC-130 aussi, l'allié, là. On va essayer de faire un petit bac. Notre drone est activé. En tout cas, Modern Warfare 2, c'est toujours autant le zoo. Hein. Hop. On essaye de push. Ouh, dommage, dommage. Bon, bah du coup, on va terminer là-dessus. Avec un 21-7. Le but, bien évidemment, ça va être de tout recommencer. Ça risque d'être un peu plus compliqué. Je pense que malheureusement, il va falloir pas mal grind. Et forcément, bah... Voilà, quoi. Voilà. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo sur Call of Duty Modern Warfare 2 vous fera plaisir. Même si, malheureusement, voilà, j'ai été restart et que je vais devoir tout recommencer. Comme je vous ai dit, on remontera les niveaux sur Twitch. Je ferai tout ça, évidemment, un gros live sur Twitch avec Modern Warfare 2. Autant jouer un peu au sniper, autant à l'arme, etc. Rejouer avec la TAR 21, la CR et tout ce qu'il faut. Mais malheureusement, ça risque d'être un peu compliqué de faire quoi que ce soit avec un niveau 4 sur Modern Warfare 2. Voilà les gens, c'était Loctet tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis on se dit bye et à la prochaine. Ciao ciao tout le monde!